Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'On n'est pas des moutons. Ce mois-ci, nous parlons des jeux vidéo. Quelles sont les dernières évolutions technologiques? Quel lien créent-ils entre nous? Et sont-ils en phase avec les évolutions de notre société? Nous allons essayer de répondre à cette question avec l'association BASE, qui crée des événements pour démocratiser la pratique du jeu vidéo. Puis avec Guillaume Issali, qui prolonge sa passion de la photo dans les jeux vidéo. Et avec Sean Perry, jeune joueur qui a pratiqué le jeu vidéo en compétition. Mais avant ça, on part avec Stérène, à la rencontre des jeunes joueuses et joueurs brestois. Bonjour à tous, nous allons à la rencontre de jeunes joueurs et joueuses pour mieux connaître leurs pratiques et leur point de vue sur les jeux vidéo. C'est parti! Quel type de gamer ou gameuse es-tu selon toi? Moi j'aime bien un peu les jeux, je sais pas trop comment qualifier ça, de lifestyle un peu, ou assez calme, pas trop de jeux de combat par exemple. Je m'intéresse à comment se développe l'industrie du jeu vidéo en général, donc j'essaie de toucher un peu à tout. Ça va être surtout tout ce qui est un peu sur Nintendo, du genre Mario, parce que c'est souvent les jeux avec lesquels on peut jouer avec notre famille, nos amis et ce genre de choses. Les jeux calmes comme un bon vieux Dragon Quest où je dois attendre tour par tour pour juste prendre une décision, ou même parfois des jeux de stratégie, même si parfois je suis un peu trop maniaque, ce qui fait perdre. Plutôt des jeux vidéo un peu plus physiques, c'est-à-dire où on peut jouer genre avec une manette comme ça, du style Just Dance. Qu'est-ce que t'apportent les jeux vidéo au quotidien? Ça m'amuse, je me fais plaisir, je rencontre des gens, on rigole bien et c'est très très fun. Pour certains jeux, ça donne un peu envie de se dépasser aussi, d'être un peu plus compétitif. Penses-tu que les jeux vidéo sont assez inclusifs pour tout le monde? Avant c'était surtout les garçons et tout, mais maintenant c'est plus pour tout le monde et on retrouve presque autant de filles que de garçons dans certains jeux et du coup c'est super cool. Pour l'inclusion au niveau des handicaps, c'est encore assez inégal, mais c'est quelque chose dont les développeurs ont conscience et ça se développe de plus en plus, que ce soit mettre un mode daltonien, des sous-titres pour les malvoyants. Il y a des manettes adaptées pour les personnes n'ayant qu'un bras, pour les personnes ayant des problèmes au niveau du sens du toucher, des manettes spécialisées pour les autistes, pour les jeux de combat, enfin il y a des tas de choses, des lecteurs de braille dans certains jeux très textuels. Qu'est-ce que tu attends des jeux vidéo dans le futur? Qu'il y ait des nouveautés, des choses qu'on a à chaque fois, essayer de trouver des nouvelles choses qui n'ont pas été faites avant. On reste toujours souvent sur les mêmes modèles, c'est pour ça que j'aime un peu plus les jeux indés qui ont tendance à développer des mécaniques parfois plus imaginatives. Peut-être d'élargir un peu plus les ouvertures sur les stéréotypes et faire en sorte que ce soit pas un monde à part, un peu. Ces quelques interviews sont terminées, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec Julie pour la suite. Salut! L'association BASE organise tous les ans à Brest Press to Play, un événement entièrement dédié à la culture des jeux vidéo. Il mélange compétition, événementiel et découverte. Marlise a pu interviewer deux membres de l'association pour qu'ils nous présentent les récentes évolutions de ce média. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Alexane et Zachary de l'association BASE qui organise chaque année au Capucin l'événement Place to Play servant à démocratiser le jeu vidéo au grand public. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de rendre les jeux vidéo plus visibles à travers cet événement? Pour nous c'est important parce que on sait aujourd'hui que le jeu vidéo est un lien de vecteur social. Et du coup, ça permet toujours de créer du lien entre les gens, que ce soit notamment les enfants et les parents ou même des inconnus. C'est aussi un moyen éducatif très fort. Il y a beaucoup de métiers maintenant qui s'apprennent en utilisant des supports de réalité virtuelle ou de différentes pratiques. Et que ce soit la médecine, que ce soit l'aviation, ça utilise des jeux vidéo pour se perfectionner. Quelle est l'opportunité que peuvent créer les jeux vidéo? Les opportunités sociales ou... C'est sûr que maintenant il y a de plus en plus de jeux en ligne où en fait les gens se rencontrent dessus et des fois créent des groupes de discussion, ce qu'on appelle des guildes, et continuent de jouer ensemble. Le jeu vidéo m'a apporté beaucoup de liens sociaux et j'ai rencontré énormément de monde, des gens avec qui je suis en contact maintenant quasi tous les jours. Et c'est comme devenu, c'est des amis maintenant que des fois certains je les ai jamais rencontrés. Mais c'est principalement ça que ça m'a apporté. Ouais. Quelle est la place vraiment des filles dans les jeux vidéo, que ce soit les joueuses, comme les personnages féminins qui sont aussi incarnés?
toutes les femmes, toutes les joueuses ou les personnages féminins vont être stéréotypés, même si ça tend à être modifié un petit peu avec une place de femme plus forte qui va se battre, qui va aller au devant d'un combat. Il n'empêche que Lara Croft elle reste super belle, etc. Et les hommes en sont victimes aussi, parce que c'est rare de trouver un personnage qui soit comme le commun de nos mortels, quoi. Il y a certains hommes qui ont du mal à respecter les femmes qui jouent aux jeux vidéo, même si voilà, ils essaient de s'améliorer là-dessus. Et il y a aussi de plus en plus de joueuses finalement qui se mettent aux jeux vidéo, c'est plus vraiment une minorité comme certains le pensaient autrefois. Il reste quand même quelques soucis, c'est pas totalement une égalité, même si des fois c'est une discrimination positive, parce que les femmes du coup vont recevoir des cadeaux, vont recevoir des fois des faveurs qu'elles n'ont pas du tout demandé. Il n'empêche que ça reste gênant en fait d'être catégorisé enfin en fonction de son genre sur un jeu, mais c'est un problème sociétal qu'on retrouve dedans aussi, quoi. Zachary, est-ce que tu peux du coup nous parler des actions caritatives que tu mènes du coup ? Ouais, il y a de plus en plus d'actions caritatives dans le jeu vidéo. Nous, dans Press to Play, on a fait un partenariat avec Vaincre la mucoviscidose, l'association. C'est des opérations qui se font de plus en plus. C'est un mouvement qui vient des États-Unis principalement, où là-bas il y avait de grosses compétitions et du coup ça a été importé en France par beaucoup d'acteurs. Et du coup, voilà, ça permet de rajouter un aspect caritatif aux événements liés aux jeux vidéo. Merci à tous les deux du coup pour vos réponses et bonne continuation à tous les deux. Merci. Guillaume Issali est photographe et grâce au développement des modes photo dans les jeux vidéo, il peut allier ses deux passions, la photo et les jeux vidéo. Là, il est parti à sa rencontre pour qu'il puisse nous faire une petite démonstration. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Guillaume qui est photographe et passionné de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va l'interviewer sur son rapport aux jeux vidéo et de manière personnelle et en tant que photographe. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors toi, depuis combien de temps tu joues aux jeux vidéo ? Moi, j'ai pas de date précise, mais je pense que ça va faire une quinzaine d'années que je joue aux jeux vidéo maintenant. Comment tu mêles photo et jeux vidéo ? On a la chance aujourd'hui dans les jeux vidéo d'avoir un mode photo en fait. Et du coup, moi, ce que je fais en ce moment, c'est j'utilise ce mode photo dans les jeux vidéo pour créer des clichés et justement essayer de me rapprocher de ce que je peux faire dans la vraie vie. Grâce à cette multitude d'univers, de thématiques, etc., on peut faire des photos qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité. On peut faire plein de choses donc justement qui ne sont pas possibles. Je pense par exemple à prendre en photo des personnages, etc. Toi, c'est quelque chose que tu testes ? C'est quelque chose que je teste, notamment sur Red Dead Redemption, par exemple. Je prends pas mal de passants en photo. Et justement, comme dans la vraie vie, on peut attendre une réaction du passant. Un sourire ou au contraire une personne qui est pas trop contente justement pour prendre la photo à ce moment-là. On peut avoir une multitude de réglages en termes de cadrage, de mise au point ou d'ouverture, tout ça. Et justement, on peut essayer d'avoir le meilleur cliché qui soit comme dans la vraie vie. Donc là, tu essaies de trouver un cadre pour faire une photo. C'est ça, comme dans la vraie vie, je vais me déplacer avec mon personnage pour essayer de trouver une lumière intéressante. Et on va essayer de faire un portrait du personnage dans la nature, par exemple. De plus en plus de gens utilisent ça et puis développent pour faire des très beaux clichés. Tu penses que ça peut être carrément un métier ? Ça peut devenir un métier ? C'est déjà un métier. Ok. C'est déjà un métier. Il y a des personnes qui sont financées, on va dire, par les développeurs, par les boîtes de production, pour promouvoir les futurs jeux qui vont sortir, d'un point de vue graphisme et ambiance aussi, pour montrer aux futurs joueurs que le jeu est magnifique. Est-ce que toi, dans le futur, tu as des prochains projets justement qui mêleraient jeux vidéo et photographie ? J'ai récemment sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le mode photo dans les jeux vidéo et je pense faire d'autres vidéos de ce type où je me plonge dans le jeu vidéo pour essayer d'avoir d'autres clichés. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, puis bon courage pour tes projets. Merci. La compétition sportive a aussi sa place dans les jeux vidéo. Maxime a rencontré Sean Perret, un jeune joueur qui a pratiqué les jeux vidéo en compétition. Avec lui, il discute du quotidien des joueurs et joueuses qui se lancent dans l'e-sport. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Sean qui a joué en compétition au niveau européen. Salut Sean. Salut. Qu'est-ce que l'e-sport ?
Alors l'e-sport, ça peut être comparé à finalement le sport électronique. C'est des compétitions donc par internet ou sous forme de LAN. Donc des LAN, c'est des regroupements d'un grand nombre de joueurs ou d'équipes dans par exemple un bâtiment, et puis tout le monde joue les uns contre les autres. Est-ce que c'est comparable avec un sport non électronique ? Tout à fait, enfin, ça dépend dans quel sens on le prend, mais par exemple on pourrait comparer ça avec n'importe quel sport d'équipe. Je prends l'exemple du foot parce qu'on connaît tous le foot. C'est une équipe qui doit être soudée, tout le monde se pousse vers le haut, et dans le foot chaque joueur a un rôle, par exemple il y a un défenseur, un attaquant, etc. etc. Et dans les jeux vidéo c'est exactement pareil aussi, dans l'équipe chacun a un rôle, et puis on a vraiment cette... Ce côté un petit peu structure avec un président, un chef d'équipe et puis et donc les joueurs aussi à côté. Et donc ça pourrait vraiment être comparé à n'importe quel sport d'équipe, comme par exemple le football. Je reprends l'exemple du football. Pour toi, quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs ? J'ai fait énormément de rencontres avec des gens avec qui je garde contact encore aujourd'hui. Un autre point positif, ça permet de s'engager, parce qu'on rentre dans une équipe, souvent c'est assez jeune, et on est tout de suite confronté à un nombre de responsabilités, et on doit aussi respecter des règles de la vie de tous les jours avec cette équipe. Il y a aussi quelque chose qui est un peu plus secondaire, mais par exemple le travail des langues. J'étais dans une équipe qui était européenne, ça veut dire qu'il n'y avait pas que des joueurs français. Et par contre, en point négatif, je pourrais dire que ça demande un investissement qui est plutôt énorme, et il faut savoir se mettre des limites et garder le contrôle finalement de cette passion ou de finalement cette activité, parce que ça peut vite tomber dans finalement le non-contrôle, et on va jouer beaucoup, on va pas faire attention à notre santé, alors que ça, c'est super important et ça peut vite tomber. Merci Shane d'avoir répondu à nos questions, et on se retrouve en ligne. Merci, avec plaisir. C'est la fin de ce numéro, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'est la médiathèque François Mitterrand des Capucins qui nous a accueillis et dans laquelle vous pouvez venir emprunter des tonnes de jeux vidéo si vous le souhaitez. Quant à nous, on vous souhaite une très bonne année et à bientôt.